Aussi gris et nerveux.
ne sont ni sorciers dans ma famille. J'ai eu la surprise de ma vie en recevant ma lettre. Mais j'étais tellement contente. On m'a dit que c'était la meilleure école de sorcellerie. J'ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont au programme. J'espère que ce sera suffisant pour débuter. Ah, au fait, je m'appelle Hermione Granger. Sorcier, mais j'imagine qu'on ne lit pas ça.
ne se sont pas fait prendre. C'est pour ça qu'on en parle tellement. Mon père dit qu'il faut être un grand expert en magie noire, pour s'introduire chez Gringotts. Mais apparemment, ils n'ont rien emporté. C'est bizarre. Bien sûr, quand ce genre de choses arrive, tout le monde a peur que tu sais qui soit dans le coup. Harry retourna dans sa tête la nouvelle qu'il venait d'apprendre. Il commençait à ressentir un frisson de crainte chaque fois qu'on lui parlait de vous savez qui. C'était sans doute la conséquence de son entrée dans le monde magique. Il se sentait beaucoup moins à l'aise qu'au temple où il pouvait prononcer le nom de Voldemort sans s'inquiéter. C'est quoi ton équipe de Quidditch préférée? Demanda Ron. Je ne connais pas les équipes, avoua Harry. Quoi? S'exclama Ron, abasourdi. Tu ne sais rien du Quidditch. C'est le plus beau jeu de monde. Il entreprit alors de lui en expliquer les règles, les quatre balles en jeu, les différents postes occupés par les jouets. Joueur. Il lui raconta les plus beaux matchs. Pardon. Il lui raconta les plus beaux matchs qu'il avait vus en compagnie de ses frères et lui décrivit un dédé le balai volant qu'il aurait aimé acheter s'il avait eu assez d'argent pour ça. Il était en train de lui expliquer les aspects les plus complexes du jeu lorsque la porte du compartiment s'ouvrit à nouveau. Cette fois-ci, ce n'était ni Neville, ni Hermione Granger. Trois élèves du Poulard entrèrent et Harry reconnut parmi eux le garçon au teint pâle dont il avait fait la connaissance dans la boutique de vêtements de Madame Gripper. Cette fois, il regardait Harry avec beaucoup plus d'intérêt que lors de leur première rencontre. Alors, c'est vrai, lança-t-il. On dit partout que Harry Potter se trouve dans ce compartiment. C'est toi. Oui, dit Harry. Il regarda les deux autres garçons. Tu te étais solidement bâti et avait l'air féroce. Debout de chaque côté du garçon et au teint pâle, ils avaient l'air de garde du corps. Lui, c'est Crabbe, et l'autre, c'est Quill, dit le garçon d'un air détaché. Moi, je m'appelle Malfoy, Draco Malfoy. Ron eut une toux discrète qui ressemblait à un ricanement. Oui, ricanement. Draco Malfoy tourna les yeux vers lui. Mon nom te fait rire. Inutile de te demander le tien. Mon père m'a dit que tous les Weasley ont les cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour pouvoir les nourrir. Il se tourna à nouveau vers Harry. Fais bien attention à qui te fréquente, Potter, si tu veux éviter les gens du deux. Je peux te donner des conseils. Malfoy lui tendit la main, mais Harry refusa de la serrer. Je n'ai besoin de personne pour savoir qui sont les gens du deux, dit-il avec voix dure. Les jupes de garçon rosirent légèrement. Si j'étais toi, je serais un peu plus prudent, Potter, dit-il lentement. Si tu n'es pas plus poli, tu vas finir comme tes parents. Eux aussi ont manqué de prudence si tu traînes avec de la racaille. Comme les Weasley ou Hagrid, ils finiront par d'éteindre sur toi.
jetés contre la fenêtre. Les trois garçons s'éclipsèrent aussitôt, grignant son